Et au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici la toute nouvelle usine de SAPH, filiale de Sifka, spécialisée dans toute la chaîne d'achat et de production du caoutchouc naturel. Sa construction a nécessité 2 ans. Une usine pas comme les autres. C'est l'une des plus grandes usines de transformation de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire et même en Afrique. L'OE a une capacité de 60 000 tonnes par an de transformation de caoutchouc naturel. C'est une capacité que nous pouvons porter à 120 000 tonnes. Notre ambition est de devenir la plus grande usine de caoutchouc naturel en Afrique pour asseoir de manière incontestable le leadership de la SAPH en matière de transformation de caoutchouc naturel durable. Le site emploie 320 personnes. Cela ne tient pas compte évidemment de tous les emplois indirects créés pour la ville de Soubré et la région de la Nawa. Il faut également dire que le site de l'OE a mis l'accent sur l'emploi des femmes. Elles représentent aujourd'hui 20% de l'effectif sur le site. Des femmes comme Florida Oulay ou Olga Niazobo, ouvrières de fabrication et électriciennes. Leur vie a changé depuis qu'elles ont été embauchées. L'impact de cette embauche dans ma vie est mon autonomisation sur le plan social, sur le plan professionnel, parce que ça m'a appris à approfondir mes compétences académiques. Je vois mon avenir au sein de cette usine comme un avenir prometteur. Aujourd'hui, ça me permet de me prendre en charge, ça me permet de prendre en charge ma famille. En tout cas, au niveau social, ça va. Au niveau professionnel, franchement, ça m'a permis d'acquérir des connaissances. Ça m'a donné aujourd'hui d'avoir d'autres qualifications, parce que c'est ma première fois de travailler en usine. Et en tout cas, je peux vous dire que c'est une très, très belle expérience pour moi. Je crois que sur 1 an, je ne serai plus à ce même poste-là. Voilà, parce que la SAPH donne l'opportunité à ses ouvriers de gravir les échelons. Avec sa capacité de transformation, l'usine est capable d'absorber la production de 6 000 à 10 000 planteurs par an. Elle permettra à SAPH d'être encore plus proche des planteurs des zones de Soubré, Guiglo, Mans, Taloa, Issia et Gagnoa, qui constituent aujourd'hui un pôle stratégique de la production nationale de caoutchouc naturel. Pour les planteurs, cette nouvelle usine est une magnifique opportunité. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'usine à Soubré, ça fait qu'on arrive à vendre facilement, on arrive à peser facilement, et puis on a la chance que maintenant, on paye moins le transport. Parce que moi, par exemple, qui ma plantation à Gueyo, je devais payer 100 000 pour arriver à Yakoundabo. Aujourd'hui, de Gueyo à Soubré, je paye 70 000. Donc je gagne 30 000. Beaucoup de plantations, mais il faut qu'on ait des informations, il faut qu'on ait des encadrements. Donc avec l'usinier, on a toutes ces informations-là pour que nous puissions quand même pouvoir, à notre niveau, écouler facilement notre production. C'est toute une région qui aujourd'hui se réjouit de l'arrivée de l'usine, source de développement. L'implantation d'une usine dans une région, d'abord, c'est un salut. Nous sommes très au paroxysme de la joie d'accueillir cette usine. Ça va donner du travail à nos jeunes déscolarisés, désabusés, désemparés. L'arrivée de l'usine est pour nous un grand soulagement parce que cette usine permettra aux populations de livrer leur production dans de très bonnes conditions. La création de l'usine permet aussi aux producteurs de choisir. Et du coup, en termes de rentabilité, en termes de concurrence, le producteur pourra faire de plus grands bénéfices. Un caoutchouc tracé de l'arbre à la balle de caoutchouc, certifié zéro déforestation et conforme à la réglementation EUDR. Une usine éco-responsable à faible empreinte carbone. Une usine moderne aux procédés innovants qui permettront d'atteindre des grades les plus élevés du marché. L'usine de l'OE positionne la Côte d'Ivoire au rang de leader.